Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent avec mon magnifique serre-tête, il est trop beau, on admire. Vous allez le voir beaucoup je pense pendant cette série de Noël, voilà, tout à fait normal. J'ai accroché mes petits flocons, donc je sais pas si vous aurez déjà eu le haul ou pas, mais voilà, ça, c'est tout de suite beaucoup plus festif. Et on fait pas attention au faux pas sur le col, voilà. J'ai enfilé mon pull après avoir fait mon teint et du coup j'ai plein de fond de teint sur le col. Mais bon tant pis, ça restera comme ça pour cette vidéo et certainement une autre. Puisque je vais me maquiller et ensuite je tournerai une autre vidéo. Mon micro est un peu loin donc je vais le rapprocher, vous m'entendrez certainement un peu mieux. Voilà. Souvent on pense que pour faire un make-up de fête il faut énormément de produits, de fards à paupières, de palettes et tout ça. Moi, je vais vous montrer qu'on peut faire un très beau make-up avec seulement un fard à paupières. On revient un peu à la vidéo où j'ai fait un make-up avec la palette teint, vous allez voir. Donc, je vous la remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, pour ce verre, vous pouvez utiliser n'importe quel fard mono, voilà, que ce soit des pressés, comme par exemple celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, le ELF. Alors, je ne sais pas la teinte, hein, je ne sais pas lire. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'utilise tous les ans à Noël, donc c'est pour ça que je n'utilise pas, puisque je vais vous faire un Get Ready le 24, donc c'est certainement le fard que je vais utiliser. Je l'utilise tous les ans depuis que je l'ai, donc ça veut dire au moins 5 ans. C'est un Moonspoon de Urban Decay, et c'est la teinte... La teinte n'est pas notée dessus, donc c'est le fard... Il y a Dog, quelque chose, il me semble, dedans. Voilà, et franchement, c'est celui que j'utilise tous les ans à Noël depuis des années. Vous pouvez utiliser également tout ce qui est pigments, paillettes. Donc là, vous avez des chez Essence, un fard de chez Roqueresque, par exemple, les poudres libres comme ça, les fards libres de chez ELF que j'ai beaucoup utilisé, ou mon pigment préféré qui est le Blue Brown de chez MAC. Voilà, je l'adore. Donc là, c'est un format échantillon que j'avais reçu une fois dans un swap. Mais j'adore vraiment ce fard. Vous avez besoin tout simplement d'un crayon noir et d'un bronzer. Donc là, je vais prendre le Honolulu de chez W7. Voilà, parce qu'il faut bien que j'utilise de temps en temps. Bref, on va attaquer tout de suite. Donc bien sûr, tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint seront listés en barre d'infos, comme d'habitude. Donc là, j'ai juste mis de l'anti-cerne sur mes paupières en faisant mon teint. Là j'ai mis un petit peu d'anticerne aussi en dessous de mon sourcil. Il va falloir que je le poudre, donc pour ça je vais prendre la Nunoute comme j'utilise d'habitude. Mais je vais déjà mettre une base, où je vais mettre celle de chez Action, parce qu'il faut que je l'utilise de temps en temps. Donc c'est la Max Edmore comme ça. Elle est pas mal. On est plein les cils. Voilà pour ça. Ensuite on va prendre un crayon noir. Donc moi c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline, la teinte noire. Je l'aime bien sans plus quoi. Donc je vais d'abord en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Alors on n'hésite pas à déborder en muqueuse inférieure, bien entre les cils. On déborde un peu et ensuite on va l'estomper. Donc moi je prends le pinceau de la Vistro parce qu'il est pas mal pour estomper les crayons. J'ai mis un peu beaucoup. Hein. Voilà. Et on va en mettre également en ras de cils supérieur. Donc du coup je m'arrête à la moitié de l'œil parce que après en estompant on va pouvoir aller un peu plus loin, et en coin interne et on estompe. Donc tout de suite bien donner une forme que vous aimez, parce qu'après une fois que le crayon aura séché vous ne pourrez plus rien faire. Avec l'autre côté je vais flouter un peu plus le bord. Ah c'est vrai que je n'aime pas ce côté là, il pique. Voilà, pour l'instant ça donne ça, limite c'est bien joli. Alors une fois qu'on en est rendu là, on va prendre le bronzer pour juste définir un peu le creux de l'œil. J'ai une nez qui chatouille. Donc je prends un pinceau fluffy pour faire ça. Et je vais flouter un peu plus le crayon noir. Oh merde, j'en ai foutu encore interne. Et accentuer mon creux et mon ras de cils inférieur aussi. Donc on fait bien tout le tour du crayon. Pour donner un peu plus de dimension et puis continuer à flouter le bord. Hein. Ensuite avec un autre pinceau fluffy, donc n'importe lequel, et soit votre poudre colorée, soit un fard beige. Donc moi je vais prendre celui qui est dans la New New, puisque c'est celui que j'utilise tout le temps. Je prends le fard beige. Beige ici.
Donc là, on va repeaufiner. Donc je vais en profiter pour poudrer mon arcade sourcilière ici. Oui, ici, vous savez où c'est une arcade sourcilière, je suppose, quand même. Et du coup, je vais restamper tout le tour du bronzer, crayon, enfin tout ça quoi. Voilà, voilà. Donc à vous de peaufiner après si vous voulez plus intensifier le creux ou pas, vous rajoutez du bronzer ou pas, voilà. Vous faites un peu comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de vous maquiller, vous faites également les formes que vous avez l'habitude. Parce que c'est pas pendant les fêtes, si vous voulez un beau make-up le soir de réveillon, qu'il faut faire des petits tests, hein. C'est pas le bon moment. Donc ensuite on prend un fard mono, n'importe lequel. Moi j'ai celui-ci de chez ELF, donc je ne sais pas du tout lire la teinte. C'est le Wine Tour, donc c'était dans la gamme Studio, c'est des presets Mineral Eyeshadow. Ils sont tous magnifiques, c'est le seul que j'ai gardé, c'est un purple comme ça avec des paillettes dorées dedans, juste trop, 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 trop beau. Donc pour ce faire, je vais prendre un pinceau plat, donc là c'est celui de la Naked One. Et là, rien de plus facile, donc vous faites attention aux chutes, parce que bon, celui-ci est assez poudreux. Vous en mettez sur toute votre paupière mobile. Donc vous n'hésitez pas, vous en mettez, vous tapotez là où vous avez mis du crayon. Ah, oh, je ne me souvenais pas qu'il était si joli ce fard. Ouhouhou. On prend le premier pinceau, enfin le pinceau qu'on a mis, le bronzer, et on estompe le bord. Donc vous n'hésitez pas à monter puisqu'il va prendre une autre teinte avec le bronzer, le crayon et tout ça. On estompe ici le bord aussi du coin externe. Bien sûr, on fait pareil en racine inférieure. On applique, on estompe. Voilà, donc après, avec le spray fixateur, on prélève la matière qu'on presse assez bien sur le pinceau. Et on pulvérise, ou si je trouve le bon sens, un petit peu de spray fixateur sur le pinceau. Et on le réapplique surtout en coin interne. Enfin, sur la partie interne de la paupière mobile. Pour essayer de déposer un peu plus de paillettes. Donc c'est vraiment, ces petits fards-là, c'est vraiment le même principe que les Moondust là, de Urban Decay. Donc au départ j'avais dit que je ne vous parlerai plus des produits ELF puisque le site français est fermé, mais j'ai appris grâce à une Instagrammeuse que je suis, je ne sais plus son nom, j'essaierai de vous retrouver et de vous mettre son nom ici, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est Evandrine Beauty, je crois. Voilà. Et elle disait que les produits ELF étaient vendus sur Femik, me semble-t-il. Donc je peux vous en reparler sans avoir peur. Après, je ne sais pas si ces produits-là existent encore. Hein, mais... Donc on en a fini avec les fards. Maintenant, on va prendre un highlighter. Donc, là, je vais prendre un doré puisque les paillettes sont dorées. Donc je prends le Kitten de chez Stila et je vais prendre la partie un peu plus dorée ici. Avec un petit pinceau précision. Donc je prends celui-là de chez Lush Cosmetics et je le mets en coin interne. Voilà, donc vous pouvez en rester là et juste mettre votre mascara. Moi forcément d'office je vais faire un trait de liner noir, ça c'est sûr. Mais je vais faire un trait de liner pailleté doré aussi en coin interne. Enfin en code crease interne. Donc pour ce verre je prends un Eye Mission. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur ces produits là que j'aime beaucoup. Je la remets dans petit i. Et c'est le Dreamland. Avec un petit pinceau liner. Voilà, et donc je vais en prélever sur le dos de ma main parce que l'embout est juste hyper chiant. Beaucoup trop gros. Et ça prélève même pas des masses, même sur la main. Et donc je vais en mettre dans le cut crease interne. Faut que j'achète un liner pailleté direct doré. Donc vous pouvez le mettre soit là. Soit en coin interne, soit en mettre directement sur la paupière. D'ailleurs, on va mettre un petit quelque chose au milieu. Je vais essayer de trouver un highlighter un peu plus lumineux. Tu vois, pas très lumineux. Celui que j'ai mis en coin interne. Finalement, je vais en mettre aussi un petit peu ici. Bon, autant qu'à faire. Hein. Et je vais prendre, du coup, je prends le BK slash Sananas, le Parisian Light highlighter. Et je vais remettre un peu
Ah ouais, tout de suite c'est mieux. Hein. Je vais en remettre un petit peu en coin interne pour le rendre plus lumineux. Et je vais également mettre un peu au centre de la paupière. Je vais y aller au doigt. Pour attraper la lumière, parce que là c'est quand même un fard assez foncé. Alors les petites paillettes dans le fard sont super discrètes, mais très jolies. Je trouve que ça serait bien qu'elles soient un tout petit peu. Comme les Moon Dust par exemple, elles sont plus. Elles captent mieux la lumière, je trouve. Après c'est des paillettes argentées dans le Moon Dust que j'ai. Alors un petit trait de liner, si je le retrouve. Avec le Liquid Ink, comme d'habitude, de chez Essence. Donc n'oubliez pas que vous pouvez le gagner dans le concours de Noël. Vous avez les liens de participation, enfin les liens en barre d'infos. Voilà, je vais faire un petit, si j'arrive à faire pareil des deux côtés, parce qu'après ça finit toujours en plus gros. Ensuite on passe au mascara, donc là je vais mettre le Glamindol sur les cils du bas et le Kiko Ocean Sphinx sur les cils du haut. Sur les lèvres je vais mettre celui-ci de chez Eye Art Revolution qui est le Fantasy. Voilà, je pense que ça ira bien. Je vais d'abord quand même faire un tour au crayon. Donc je prends le Forever Aqualip, le Make Up Forever Aqualip en teinte 2C. Voilà, c'est un très beau nude. Je commence à faire plus régulièrement mon contour des lèvres au crayon pour éviter que le rouge à lèvres parte dans les petits plis. Donc je suis contente. Donc là on va appliquer celui-ci qui est un clown. Non, ça ira pas avec. Pas du tout, mes chéris. Ça va pas. Donc on va passer sur le Glitter Switch en Shimmering Violet de chez Essence, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, vous pressez les lèvres, vous avez les paillettes. J'espère qu'il va aller, parce que je n'ai pas effacé 15 000 fois. Bon, on dira qu'il y a. Hi, on est déjà plein les dents. C'est trop beau. Je viens de voir que, en fait, je me suis brossé les dents après m'être maquillée. Oui, parce que je suis un peu bête. Je me suis brossé les dents après avoir fait mon teint et comme j'utilise un dentifrice blancheur et anti-tache, qui je ne sais pas s'il fonctionne, c'est la première fois que j'utilise, mais bref. Ça m'a fait une petite trace bleutée comme ça le tour de ma bouche. Bravo. Donc le rouge à lèvres n'est pas celui qui va le mieux avec le make-up, mais j'ai envie de m'étudier. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up avec un seul fard à paupières. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, franchement. Et je me demande si je vais pas faire la même chose avec le Urban Decay pour Noël. Parce qu'en fait, le soir du réveillon, on va chez mes beaux-parents. Et juste avec mes beaux-parents et ma belle-sœur. Et ils sont pas branchés maquillage et tout ça. Je vais être la seule à être maquillée. Donc j'ai toujours des trucs un peu plus soft quand j'ai chez eux. Et par contre, le 25... Je pense que je vous ferai un get ready quand même pour le 25 parce que là, je vais aller chez mon frère et je serai certainement beaucoup plus maquillée. Voilà. Mais là pour un fard, ça fait un beau petit smoky avec des paillettes et tout. Si vous avez des paillettes après libre et tout ça, vous leur rajoutez et vous en mettez quoi. C'est les fêtes, on se lâche sur la paillette, s'il vous plaît. Si vous leur mettez un petit peu sur votre highlighter et tout ça, faites comme vous voulez. De toute façon. Faites ce que vous voulez en maquillage en règle générale, voilà. Il n'y a pas de règle stricte. On fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, on met ce qu'on aime du moment qu'on se trouve joli et que ça nous plaît à nous, c'est le principal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à dans 2 jours, officiellement pour la suite des événements, enfin du calendrier d'avant. Peut-être demain si jamais j'ai une vidéo bonus à vous intégrer au calendrier d'avant. Donc voilà, j'espère que si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus pour me faire plaisir et me dire si ce make-up vous plaît. Et de vous abonner aussi si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et bien sûr, vous avez les vidéos des concours en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous.